Hey! Nan yon ordonnance, juge Martel Jean-Claude voye bay paquet Port-au-Prince pour tribunal criminel. Pasteur Pierre Dieunedey, Rémi Lindor, Vounla, Johnny Docteur, à tout prête l'église épiscopale, ou rappelez ou nan jou passé yo, qui te ge gros accusation kap pese sou de yo nan kagezon zam ak bal qui te débarqué dans douane Port-au-Prince. Mesdames, mademoiselles et messieurs, tout moun sa yo, yo lave pi blanc passe neige nan ordonnance la. Frère Maxime kap koutem, chay sot sou tête, li tombe sous épaule, cause yo pa piti di tout. Eh bien, bagay la grave. Bagay yo grave. Nan yon ordonnance, juge Martel Jean-Claude voye bay paquet Port-au-Prince pou tribunal criminel genye pasteur Dieunedey, genye Rémi Lindor, genye Vounla, Zimbabwe, genye Johnny Docteur, ensemble avec tout prêtre l'église épiscopale qui te impliqué dans le dossier trafic ZAM ak bal ou rap l'ote saisi 13 juillet 2022 passé à la, eh bien, frères et sœurs bien-aimés, tout moun sa yo blanc passe la neige dans dossier si la. Mais, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous rappelons nous deux reportages la police te mette de yo sous dossier ça? L'étape explique dans qui niveau l'église épiscopale impliquée dans dossier trafic ZAM ak bal. Et mais qu'on y a là, dans ordonnance juge là, qui s'est passé, tout prête l'église épiscopale yo blanchi, pi mal passé rad qu'il avait dans Clorox, ak bicarbonat, passé dans Digo. Blanchi, avait dit de près, hein, de loin, de très très loin, moun sa yo pas impliqué dans dossier trafic ZAM ak bal. Peuple haïtien, on nous revive, eh bien, reportage ça non, c'est extrêmement important. Contre trafic stupéfiant BLTS, yon entité dans des CPJ, accompagné agent douane dans cadre yon fouille yon réalisé dans plusieurs conteneurs qui étaient rivés dans Caribbean Port, zone La Saline, découvrit yon cargaison ZAM ak munition qui rentrait sous couverture franchise l'église épiscopale d'Haïti. Yon fouille qui permet à agent yon découvrir 18 fusils d'assaut AK-47, Galil M4, yon fusil calibre 12, 4 pistolets calibre 9 mm, plus passé 20 000 cartouches différents calibres, 120 chargeurs, yon viseur ak faux billets qui évalué à 50 000 $ américains. Tout de suite, bureau affaires financières ak économique BAF, yon structure dans des CPJ saisi dossier a, et puis commencer mener enquête sous lit, trafic ZAM ak munitions, faux l'argent, contrebande, fraude ak évasion fiscale, enrichissement illicite, blanchiment des avoirs, infraction grave, abus confiance ak association malfaiteur contre l'État haïtien, c'est nature enquête là. Affaire si la qui impliquait Gina Jean Louis Rolls, Sikumbozo Voudla. Et mais qu'on y a là, juge la blanchi tout. Juge la blanchi tout, tendez. Celle non Gina. Qui passe au Alan Dorsey, Alerte Isaac, Franz Cole, Samson François, Lovni Louis-Jean, Franklin Batista, Fernand Jean-Pierre, Rémi Lindor, Rubens Villemont, Jean Madocheville, Jean-Marie Jean-Gilles, Mamion Saint-Germain, Fritz Désiré, Dianica et Cléberson Jules, ak l'autre individu encore. Nan date 15 juillet 2022, la police arrête la justice blanche. C'est comme ça pays a fonctionné. Moi m'de ka policier, non pas tap ka policier, franchement. Moi pas tap ka policier parce que moi m'pas tap accepté qu'un bon moun menan sak pou m'ke bobi kounya la pou m'ap gade un juge ka blanchou. Tandis que l'autre semaine, c'est moi même encore qui pral mette gros amre nan dom, et puis kounya la pou m'ap rentre dans une série de côtés pour m'al mener opération, bandi y a tiré balle, moi ka pran balle,
famille m'a perdu depuis qu'on y a là pour pas qu'être bonne massici à soutane avec gros galil en bas ka koyop flané sous moun. Mais ça ka Haiti attendez à la traque. La police a arrêté Gina Jean-Louis Rolls qui s'est broker dame ça a été pour recevoir conteneur yo dans audition li déclarer la travail pour l'église épiscopale d'Haïti depuis plusieurs années et puis fait connait que c'est père Franz Kol secrétaire exécutif diocésain EEH là qui t'a contacté. Après elle t'a fait une boude plusieurs invitations baf père Franz Kol alias Fanfan. Père Franz Kol mais père ça va garder là peuple haïtien li blanchi. Il blanchit dans l'ordonnance. Moi, songe, me dis, nous, la justice dans le pays d'Haïti, c'est le plus gros réseau criminel, c'est le plus gros réseau terroriste. Blanchi, blanchi, blanc, 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 on blanc, on blanc, coton. Voilà. Voilà. Jeune arrestation, 17 août 2022. Pendant l'été, vine répondre fois ça, question enquêteur, yo. Alors que Jean-Gilles Jean-Marie, qui c'est comptable de l'église épiscopale d'Haïti, t'apprends une arrestation du 22 d'août. Comptable là, t'es signé plusieurs documents sortis 2017, privé 2021. Pour autoriser décaissement l'argent, sorti sous compte l'église là, pour adjoindre un trafiquant d'armes international, qui est le Sikoumbouzo Voudla. Eh ben, papa, ici, mais c'est ça, wap gade là, le vide acide, sur madame. Il boucané madame, n'y a acide. Eh bien, dans ordonnance là, dans ordonnance là, papa ici, monsieur Blanchi. Ou elle noir, monsieur Blanc. Blanc. Mais ça, Haïti. Et rappelez, ou frères et sœurs bien-aimés, assassinat Jovenel Moïse, quand elle commence, c'est dans la justice dans le pays d'Haïti. Son association malfaite, son réseau criminel, un réseau gang. Nous nous clés sous ça. C'est pas première fois entre de la police fin arrêté et puis la justice blanchi. Moi-même, me connais maré ton chef de gang et puis pour me connais un juge libéral. Aïe aïe aïe. C'est soit me vivre ou bien vivre. Non, aussi simple que ça parce que nous pas arriver là pour n'a faire cover, pour n'a faire cover. Non, pas là pas arrêter là. Est-ce que comprenez bien ordonnance nos frères et sœurs bien-aimés blanc passer la neige. On a aller continuer pour nous madame. Yon Zimbabwéen qui se chef opération l'église épiscopale. Enquête Bafla révélé, gen plusieurs transactions qui fait chaque mois. Non juge là, c'est Jean-Claude Martel. Juge là. Hein? C'est non juge là. Elle écrit ordonnance là. Hein? Li voye le bay paquet pour tribunal criminel. Donc, mais c'est ça, yo. Yo pi blanc passe la neige. Sous compte bancaire africain trafiquant international ça. Chaque dépôt qui fait gagne un montant pour pipiti $30,000 américains. Yon série transaction EEH pas ka justifier nan ki objectif comme ça. Et puis kounya la c'est même chef gang ça yo. C'est même gang intellectuel ça yo qui chita y a tant intervention militaire. Y a tant intervention militaire, y a tant blanc vin touye. Petit garçon. Yo fin devye, et puis kounya la, yo fin devye pour la, yo fin gaspille pour la, et puis yo même yo red vive. Yo red vive, yo continue à faire million, yo continue à libérer chef gang, yo continue à blanchir criminel. Yes, c'est comme ça. Et pour même ou rete ou ap gade, a la traka pou la vek Haïti nan pays sa. Mais sa Haïti, attendez si toutefois ko pat konne, bagay la pa piti dit tout. Les jeunes vous de là. Samedi 21 janvier 2023, dans le cadre d'une opération, la police rivée mettait en bas code suite à un avis de recherche Rubens Villemont pour implication présumée dans le dossier ça. Individu ça, t'es parmi les gens qui t'es gagné pour recevoir un conteneur d'âme et c'est Fernand Jean-Pierre qui t'a voyé sous nom Rubens. Enquêteur. Aïe, aïe, aïe. Zam a distribué dans le pays. T'as coupé tes chocs, t'as coupé sachet de l'eau. L'église épiscopale. Yo gen franchise, c'est comme ça qu'on tenait à passer. Qu'on tenait à passer. Puis c'est même Massisi a soutane gang ça yo k'ap di oui. La paix bon Dieu ensemble avant, il a prié contre l'insécurité. Et puis l'argent plus passer $30,000 chaque mois a décaissé. Sorti dans caisse l'église al joindre trafiquant zam international pour faire qui ça? Bon franchement papa ici à la fin, gè laisser pour moi zam yoté. À la traque, papa. Mais ça, Haïti. Baf yo kap travail. La journée coule en nuit. Rive permettre la police mette en bas code. Kleber Jules ak Dianika Jules. Deux cousins ak cousine sa yo. C'est principal moun ki responsable pour faire transaction bancaire pour Zimbabwean. Sikoumbouzo Voudla. Fok nou di tout.
Si Kumbuzo vous de la terre évoqué depuis 2018, dans audition responsable l'église épiscopale, yo déclaré à clair que l'église n'a pas gagné aucune relation avec trafiquant d'âmes africains. Et pourtant, dans perquisition qui était faite dans la zone côté Malfrasa, t'as caché, enquêteurs ont découvert plusieurs documents franchise douanière, papiers vierges qui gagnent en tête l'église là, sans compter machines que africains a utilisé pour circuler qui enregistrait sous nom l'église épiscopale d'Haïti. Non, pays sérieux, depuis le scandale ça pété, non l'église cité, dans dossier trafic Zamakbal. Moun sa ou te supposé que t'as quitté pays il y a longtemps. Moun sa ou pas tap dans pays d'Haïti encore. L'église sa pas tap existe encore. Nous l'avons en fermé. Mais comme étant donné, nous remettons gang nous yo. Nous remettons gang nous yo. Nous remettons les que y a kidnappé nous. Nous remet les n'a plié pour mener tout côté chercher l'argent pour te bayou. Et ça que fait l'église si l'astime toujours à fonctionner, c'est comme si rien n'était. Et puis mais kounya boum na boule figi nous c'est que juge Martel Jean-Claude nan ordonnance li voye bay paquet pour tribunal criminel ni pasteur Diene Dey Gang ni Rémi Lindo Gang ni Voun la Gang ni Johnny Docteur Gang tout prêtre l'église épiscopale gang yo. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, yo pi blanc passé la neige. Ou konn wè l'eau ap lavon rad, ou passe le non Clorox léger avec un petit bicarbonate. Hein? Et puis ou soufflon digo sou li. C'est comme ça la justice blanchi criminel assassin, nèg kap gangsterize pays, nèg kap fè trafic zamak bal nan pays d'Haïti. Voilà. Pour ça qui gagne ouais avec Père Franz Kol, secrétaire exécutif diocésain l'église épiscopale d'Haïti, enquête bafla montré à clair degré implication li nan utiliser franchise douane l'église là pour faire zamak katouche rentrer illégal sur territoire pays d'Haïti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, attendez. Nan enquête baf mené yon entité nan DCPJ li montré à clair. Baf montré à clé avait dit enquêteur c'est pas ti moun piti et pas moun k'ap voye monter c'est fouiller yo fouiller zone en Kalalou. Tade bien c'est fouiller yo fouiller zone en Kalalou, yo marché mené bon jan enquête yo wè nan ki niveau Père Franz Kol impliqué dans trafic zamak bal ni utiliser franchise l'église là pour le faire tout zam sa yo rentré. C'est enquête ou dit ça. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, nan ordonnant juge là, Père Franz Kol, pi blanc passe la neige. Père Franz Kol, li pi blanc passe la neige. Nan ordonnance juge là, voye bay paquet pour tribunal criminel. Pe a pi blanc passe la neige, tande? Mettez pour nous. Après rapport enquête Bafla, Père Franz Kol, il y a plusieurs comptes bancaires Haïti quoi à l'étranger. Parmi eux, il y a une grosse somme d'argent américain, sans compter l'autre bien li possédé, tant que plusieurs cailles. À la traque, papa. Avait dit, il y a fait trafic Zamakbal. Il y a ramassé l'argent. Gang a multiplié. Matin, midi, soir. Il y a un mitan moun Port-au-Prince. Chaque dimanche, mes draps sous et puis, yon devant, yon tandis que yon même encore kap fè yon courir pour gang. Donc, yon font gens quand même pour yon voye nous dans le ciel en vent. Comme étant donné gon Haïti a pas yon préparé pour nous. L'église nan trafic zamak bal. Eh bien, mais kounya la justice blanche yon. C'est prier ou ta prier et puis, diabla vin attaque ou diabla c'est la police. Oui. Diabla c'est des CPG. Oui. Eh bien, au nom de Jésus-Christ, la justice blanche yon. Mais ça l'évangile qu'a fait dans le pays d'Haïti, attendez. Mais ça l'évangile qu'a fait dans le pays d'Haïti. Donc, insécurité ou gen là, c'est tout secteur net qui est impliqué. Ou paix, ou gen divers sky, attendez bien. Ou gen divers sky, ça c'est youn. Ou plein compte bancaire. Dans le pays d'Haïti, quoi à l'étranger, c'est l'argent. Ça gen 1 million. Ça gen combien 100 000? Qui compte ou ap travail, je ne sais pas. Ça qui passe, zamak bal ou ap vann pour péter tête chrétien vivant dans le pays d'Haïti. Et puis c'est moun sa ou qui toujours condamné énergiquement attaque qui fait à gauche, attaque qui fait à droite, tandis que c'est au même cap nourri gang yo, c'est au même cap bay gang yo tete dans le pays d'Haïti.
Est-ce qu'on comprend quoi? Sous ta kembe, on peut l'église épiscopale ou sous quel c'est Galil seulement qui tombe en bas à col. Eh bien, mais c'est entendu. Mais ça pays d'Haïti. Mais ça pays d'Haïti. Alors, moi, je suis enquêté, baf, je fin faire tout sacrifice, je suis mourir même. Pour me rendre pays à un service, pour me chercher formation. Et puis, quand y a là pour un juge, il rend ordonnance et puis. Tout vole ça yo yo pi blanc passe la neige et mais pour mes amis yo. Donc mesdames mademoiselles et messieurs, li clair pour comprendre. Vin fait intervention militaire et puis la justice pas joué rôle pal, c'est la mais si a te. Donc ni équipe politicien yo, ni équipe oligarque corrompu yo, ni la justice, c'est trois réseaux gang qui mettaient ensemble pour finir ensemble avec nous. Parce que, imaginons, pendant que vous prenez pour un bandit, et puis bandit en dit, mais qui est-ce qui est ensemble avec moi? Mais qui est-ce qui est ensemble avec moi? Mais qui est-ce qui a financé moi? Mais preuve, mais à gauche, mais à droite. Faut que la justice présente pour capable faire suivi, pour arrêter vacabon ça, qui a financé gang. Eh bien, même la justice, là encore, son réseau gang. À la traka pour la vekaïté. Et puis nous voulons pour l'autre pays respecter nous. Hey! L'autre bon, il y a évidence qui prouve, PA recevoir un chèque chaque mois, environ 300 000 goudes qui sortent dans le palma haïtien. Rapport enquête là, allez. Ça très important. 300 000 goudes, PA a touché. Contre l'agence ça sorti dans le palma haïtien. Donc, frères et sœurs bien-aimés, sénate, croisé ensemble avec prêtre, même réseau criminel. Yo. Passer prendre la justice, c'est même réseau gang. Parce que 300 000 goudes, mon père a touché chaque mois. Non, parlement, c'est important pour nous connaître pour qui ça. Comme étant donné, nous connaissons, sorti 2017, passé monté jusqu'à 2021, c'est important pour sénateur Yuri La Tortue, ensemble avec sénateur, et comment le relève encore? Sénateur Lambert. Moun sa ou qui te gros autorité, ça qui te passe président chambre sénat, président parlement, excusez-moi. Donc, pour que vous te ban nous explication, comment fait mon père tap touché 300 000 goudes pour qui ça? 300 000 goudes, ça c'est pour qui ça? Hein? Li tap touché. Donc, jusqu'à présent, tout le monde bec et kè sous dossier. Hein? Donc, li clair pour comprendre dans qui niveau sénateur nous yo. Moun n'a voté pour al présent représenter nous bon côté président impliqué dans financer gang passer prend l'église épiscopale c'est pas contenir la patrie yo passer prend oligarque yo gardez nous en bas diri en bas sik yo a passé yo donc frères et sœurs bien-aimés complot pour gangsteriser pays ya complot pour te touyer Jovenel Moïse li pas de pitié. On avance, continue à mettre dans la vie nous, parce que papa ici, c'est important pour nous aller à Jiv Zayo, les que toute cause ça au fin de pour bon matin, bon, ou tende, eh bien, juge rend ordonnance, tout volé, tout criminel, tout massissi à soutane, tout blanchi dans dossier trafic ZAM. Puis loin pour confirmer que ça gagne plusieurs années depuis responsable dans l'église épiscopale d'Haïti a utilisé couloir institution pour faire trafic ZAM. Pour faciliter marchandises yon rentré, présumé complice utiliser divers ports commerciaux dans le pays. Parmi l'autre, Lagonave, Port-au-Prince, ça dépend destination cargaison. En pile fois, conteneurs. Ça, c'est le code du Chris Amen, oui. Ren gatouche sa ou ba ou nan mita tête ou bi ou fina avon. Zam sa yo, estoke nan l'école nan kapital la, pendant la journée avant yo transporte yo, nan mitan la nuit, nan zone Kafou Marasa, nan commune Kwa de Bouke. Eh bien, ok. Donc, les conteneurs yon vini, yo stoppe yo s'il vous plaît. Tade bien, les conteneurs yon vini, yo stoppe yo, nan l'école, et puis kounya la, l'école nan nuit, yo passe pran, conteneur et puis il a distribué le dans base là. L'église épiscopale c'est gros fournisseur et 400 marozo. Gros fournisseur vite l'homme, gros fournisseur ils ont en bas. Ou pas content des fois, oui, gon conteneur marchandise qui t'a passé bandi dans village, yo prend conteneur. Et vrai c'était marchandise? Oui, marchandise quand même, zam ak bal pour bandi. Les comme ça, eh bien yo fait chauffeur à rentrer ensemble avec conteneur en dedans et puis kounya là les arrivé yo prend munda et puis yo dit chauffeur ou met à la tête là c'est comme ça donc toute cause ça au fin parler dans la république
Et puis, qu'on y a là, ordonnance, bam, tout criminel blanchi. Et puis, juge l'arrêté, l'a gardé nous. Oui, l'a gardé nous, l'a continué blanchi volé, l'a continué blanchi vacabon. Pas vrai? Et puis, tout gros l'argent au prend, c'est à l'investir à l'étranger, c'est acheter gros caille dans le pays d'Haïti, et puis nous même n'a pas mourir. Aïe, gang à gang, yo, yon pap touye l'autre. Bandi yon pap jamal touye jila, parce que le que li besoin pour yon blanchil, la police pati de elle, sak pral pas, qu'est-ce qu'a blanchil? Donc, folle la. Et gang à gang, yo, donc, yo, yon ap servi ensemble avec l'autre. Pas de problème. La police même continue à faire corvé, donc, ou arrête ça, parce qu'elle a fait trafic, juge la blanchil, et puis demain matin, li continue encore parce que li toujours connaît le juge qui l'a pour blanchil. Et puis, bandi même, y a marché prend zone et puis mini justice d'où territoire perdu. Oh oui, les paroles sont beaucoup. Rapport Bafla révélé tout, réseau trafiquant zam l'église épiscopale là, des connexions avec certains gangs qui opèrent dans capitale là, tant qu'au village de Dieu, Torsel et La Trier. Pour prouver information ça, après arrestation Père Franz Kol, yon nan avocat qui te commencé faire des marches pour Père, c'était tout avocat chef gang crasé barrière à vite l'homme innocent. Eh ben OK. Dis nous son réseau gang. Ça me dit nous bati nous son réseau criminel. Maintenant qui complot nous prend dedans? Nous rappelons-nous dernièrement, oui. Gardez nos piles. Juge, avocat, t'es sorti roi l'état, retirez-nous en bas. Nous n'en mitons gang. Bon, c'est gang nous y est. Et gang nous y est. Oui, oui, gang y a tout nous. Gang y a pas attaqué ministère là. Bon, c'est gang nous y est, puis nous pas gang. Et gang à gang nous y est. Cherchez l'autre local bayo et gang à gang yo. Mais voilà, mais réalité, attendez. L'église épiscopale se fournissait vite l'homme. Il se fournissait village de Dieu. Avocat, vite l'homme, c'est avocat Père Franz School. Eh bien, juge là, tout ça, juge. Vite l'homme. Juge vite l'homme. Même juge gang yo, en avance. Mettez pour nous. C'est la chiffre qu'a prêté. Mettez sous ça l'OVNI Louis Jean qui impliqué dans dossier a habité dans fief chef gang vite l'homme innocent. Exact. On a allé. On continue à engager nous la bataille. Bataille contre sécurité. Bataille chaque jour contre bandi. OK. Toute qualité bandi. Comme souvent dit bandi avec sapate, c'est pour bandi avec cravate. Qui côté qui bon, elle peut pas faire ça, nous pas bail mentir ça. Pas bail mentir ça. Elle, s'il vous plaît, pas bon menti ça, m'a pas pris le nom, mon cher. Pas bon menti ça, attendez. Rappelez au papa ici, chef police là, lui-même, ses amis, vite l'homme. Est-ce que tu comprends? Nous n'avons pas besoin de peur. Depuis que nous mettons la loi avec nous, règlement institution avec nous, pas de capitaine. Quel que soit ça qui passe, son bagage qui est éphémère, mais victoire, c'est pour. La police, là, c'est pour la loi, c'est pour le règlement institution. Ah, mais oui, il n'y a pas la loi fait victoire. La loi fait victoire. Amré! Notez, ce troisième rapport enquête BAF produit sur dossier Cargaison ZAM, l'église épiscopale d'Haïti. Déjà, il y a une dizaine de monde, la police arrêtée, sans compter divers mandats internationaux qui lancent. Force Radio continue à chercher plusieurs autres, tant que Père Fritz Désiré, et Père Jean Madocheville. Eh bien, quand... frère, pas moi, tout blanchi, Père Haïti, tout Père ça, tout Père gang ça, en bas, kako, yo, plein Galil, là, tout blanchi, attendez, tout blanchi. En moi, il est tout blanchi, attendez. Ta Zimbabwean, si Kumbuzo Voudla, trafiquant international, ça, DCPJ à travers BAF, a cherché les surtout dans le grand sud pays, Grand-Anse, Nip, Sud, Ak, Sud-Est. Il n'y a pas cherché l'encontre, attendez, papa, ici, c'est que monsieur, blanchi. Vous comprenez? Les blanchi. Et, qui a-t-il été fait? Ça, c'est Gina Wall, cela a été arrêté là, dans le DCPJ, tu as des déclarations. Okay. Comment? Boker. Boker? Où travaille pour qui institution? Non, je travaille pour Boker. Boker, c'est un monde qui. Ça, c'est indépendant. Indépendant? Il y a un indépendant tout? Oui, il y a un travail pour le monde. Qui j'en Qui j'en dis, moi? Gina, je le vois. Qu'est-ce que tu vis? Qui bon? Qui bon? Comment? Oui, des marguerites bonnes. Ok. Vous connaissez la police qui a mis à vous des recherches contre vous, non?
Vous êtes au courant? Oui, c'est ça, vous avez besoin de moi. C'est vrai? Oui. Depuis qu'il aura trouvé un envie de recherche, ça, tu es lancé contre vous. Oui. Hum? Oui. Et qui sort fait? Oui, l'avocat qui t'a parlé, normalement, ça me dit que c'est la lettre. Et qui ça a été reproché dans la vie, et ce soit, ça a été dit, sur le, qui ça a été informé? Non, le femme connaît que les gens ont des épiscopal. Et alors? Même que toi, moi, depuis que ma paix, l'entrée dans la vie. Mais ce qu'a dit de sujet ça? D'accord, on est passé que bonjour. Sur l'entrée, on bagaille en dedans au système douanier. Mais il s'en est de mentionner ça? Il s'en est de mentionner la manger, il mentionne food, l'état food, il mentionne le cahier, il mentionne l'ardoise. Tu as pensé, qui dit qu'on se capote avec une responsable église? Ça a aussi été non, et lui fait qu'on est pas où est embauché. Et puis on travaille pour eux. Non, moi je travaille pour eux. C'est africain. Vous comprenez? Son jeune fille qui travaille, c'est moi qui travaille là. Vous comprenez? Mais avant vous dire à tête ou à travail, vous travaillez avec eux, c'est ça que je dis non. Vous comprenez? Non. Si je travaille au service, vous avez un service là. Si moi je vous fais des bons mots, vous travaillez. Mais on dit qu'on travaille à personne, on est sur ce point. Personne. Nous sommes des gens qui sont indépendants. Je vais vous donner un travail pour tout. Combien de temps on fait l'activité ça? Moi, je suppose que depuis 2019, même quand je suis travaillé en 2020, même quand je suis travaillé dans le monde depuis 2018. Côté marié. Nous sommes pareils. Mesdames, mademoiselles et messieurs, donc, on attend des déclarations Gina Walls. Gina Walls kap bay detay, m'ap rapple se premier moun, yo arrêté nan dossier kage son zam l'église épiscopale. Lorsque nan cherche vidéo sa, parce que lorsque de la police fin fè reportage sa yo, nou pre yo nou serre yo. Et puis, lorsque de la justice vini, li sorti pou blanchi criminel yo, li blanchi yo tout, eh bien, c'est ça yo nan le cherche pour que nous mette yo en face yo. Donc c'est pour ça que les réseaux sociaux ont bay menti parce que comme souvle nan jou passé c'est seulement radio télévision qui gagne. L'entendez la police fin arrêté on dans l'assassin et puis la justice blanchi ou pas joindre une déclaration que t'ai faite avant yo parce que yo qui t'ont passé arrangé yo et puis s'entendez so a dossier classé toute bagaille fini. Mais kounya là immédiatement yo fin arrêté un criminel. Dossier après un réseau social. Gon première déclaration que t'es faite. La police intervenue. Gon reportage qui t'es fait. Serré dossier ça. Parce que koul rive dans la justice, li pral pour l'autre coup. Donc, juge qui en ordonnance et puis sortant de ya. Tout criminel ça yo pi blan passe la neige là. Donc, sûrement, hein, si panier pal get en fait à pas. Et kon sa yo tout millionnaire. Et puis, c'est moun sa yo encore ka vin palo de corruption dans le pays. On dirait corruption, c'est moins qu'à faire. Mais pour ça, yon raye réseau social. Parce que, l'éco, ou te fin font déclaration, l'éco décision que te fin prend, l'éco gon paquet de machos, ou paquet enquête qui te déjà fin fait, et puis kounya la rapidement, on juge vin blanchi criminel, yon. Et pour rale à chivlo, pa ou na boule figi, ket, eh bien, moun sa yon mérite la mort, jeune sa yon mérite la mort, parce que yon vin réveillé le chat qui dort. Alléluia, ge bon Dieu. Quel âge? Comment? 55 ans. Non, c'est? Gina Jean-Louis. Qui joue ton nom? Sinon, je ne sais pas. Non, c'est ma tête. Alors, qui est-ce que c'est là qui pensait que vous impliquez dans genre des actes comme ça, transporter des armes, intégrer dans Haïti? Sauf qu'à dire si vous avez menti ou est-ce que vous avez donné? Pour qui ça vous devez faire ça? Non, mais bonjour, les faux conteneurs. Moi, c'est un peu sur le discours pour entrer dans un conteneur. Est-ce que vous comprenez? Mais non, je ne sais pas qui ça dans un conteneur. Alors, les individus mal intentionnés, des fois, les affaires conteneurs, c'est juste côté de là. Aux États-Unis, côté sorti. Je ne sais pas comment ça met dans un conteneur, le monde libre. Parce que mettre un conteneur libre, mal à l'aise, pas là. Par contre, comment on peut faire pour ces vies à l'autre? Bon, ah bon? Là, plein, on continue. C'est vraiment que je peux me mettre en lumière là.
ou bien une femme qui nous fait. Ça nous fait dire que nous n'avons pas reconnaissance de cause de ce qui passe, ni ça va plaire, ni ça va recevoir. Non, moi-même, nous faisons un travail seulement de professionnel. Okay. Est-ce que vous comprenez? Côté que les gens lui-même ont besoin de gens qui nous signent pour lui. Ok, non, il tape hier, est-ce que nous va sentir nos bons problèmes, genre. Haïti, j'en ai frappé, moi aussi, moi aussi, ça m'a pas entré par ci par là comme ça. Moi aussi, étonné de ça que je dis là. Ça va jamais arriver que je peux me faire entrer des bandes avec ça. Ça va être étonné d'un coup tout citoyen dans le pays. Waouh, waouh. Et bien, quand il y a c'est le peuple qui est étonné. Jean, la justice mettait messieurs dames au clean. Alléluia. On va maintenant être aucun victime de un jour, non? Oh, mais tout, nous toutes cas victimes, surtout avec le problème de sécurité, nous toutes cas victimes. Regarde, où t'as un bon message, si la cap fait même bagarre pour vous? Non, même pas, m'a un message pour me faire pour vous, parce que même pas pour faire rien. Si on bagarre pour vous, pas faire lui, ou même pas connaître. Non, même pas, c'est que son bagarre, au contraire, son bagarre qui était tellement estomacé, moi, le moins ça. Père. Ça sent l'autre petit vagabond encore. Il reste qu'une vingtaine d'armes automatiques. Vous rappelez, oui, les que. Yo saisi conteneur, ça c'est commissaire Port-au-Prince là. Jacques Lafontaine, qui t'a bail détail, rappelez. Donc, on arme 12 et puis 4 armes de poing. Avec plus d'une centaine, 20 000 cartouches et on découvrit plus d'une centaine de chargeurs de plusieurs calibres. Donc, ce n'est qu'un inventaire partiel, et d'un matin ou après-demain, en temps et lieu, pour nous retourner ici, pour nous continuer l'opération. Donc, maintenant, nous sceller munitions sérieux, et nous remettions à la police nationale, comme ça. Et que, compte tenu des destinés, le destinataire, c'est l'église épiscopale d'Haïti. Et monde qui est responsable pour venir recevoir. Et. Conteneur, c'est madame Gina J.L. Rolls. Donc, et nous gagnons d'autres monde encore qui concernés par la question ça et n'a poursuivi avec la dernière rigueur de la loi. Mais si mon mère, dernière rigueur, même. La justice poursuivi. Dernière rigueur là, papa, ici, c'est blanchi criminel. Voilà. Hey, c'est ça, oui. On a de dernière rigueur. Mais, dernier coup, c'est blanchi criminel. Voilà. Que cause, oui, sous bout de saline. Nous avons un représentant de l'église qui arrivait, vient garder ou bien vient faire constat. Pas du tout. Et madame Gina, c'est qui est-ce? Madame Gina, c'est un monde qui a en principe, selon sa nouvelle, un manifestant qui a représenté, son broker, qui représentait normalement l'église là. À la traca pour la VK était dans le pays ici là.